Good morning, allez, Iden, et ce sera aujourd'hui le Nishmat Avraham de Rabbi Yisrael ben Dvora, Bat Esther et Charlie Shalom Ben Germaine Sarah. Si vous souhaitez vous citer d'une prochaine tune de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelles. Nous étions en Sekhati Mamot, par écoute Gimel, Mishnah Bet. Eizo Iktana, Shetzricha le Ma'en, Kol She'esiua, Ima ve Achea le Da'ata. Isiua Shelo le Da'ata, Ena Tricha le Ma'en. Rabbi Hanina ben Antignos Omer, Kol Tinoket Shena Yachola Lishmor Kidushea, Eina tzricha lemaen Rabbi Eliezer Omer, En ma asik tanaklum, Ela kemefuta, Bat Israël la Kohen. Lo tochal batruma, Bat Kohen Israël, tochal batruma. On continue à parler maintenant du Mi'un. Pour rappel, le Mi'un, c'est une petite fille qui n'avait pas de papa. Et que ses chachamim ont décrété. C'est-à-dire, je vais peut-être reprendre un peu. J'ai le droit, moi, j'ai des filles qui n'ont pas encore atteint leur majorité, 12 ans, et les simanim, eh bien, j'ai le droit de les marier. Je peux les marier à n'importe quel homme. Dès qu'ils les marient, elles sont mariées minatora. Ça signifie que si une fille comme ça prenne un écart, chayavet mita, parce que c'est une femme mariée. C'est pas elle qui décide de son mariage, c'est le père. Mais, à condition qu'elle ait un père. Si elle n'a pas de père, alors, en théorie, elle ne peut pas se marier minatora, jusqu'à qu'elle atteigne sa majorité, qu'elle se marie d'elle-même. Le problème, il est que les chachamim ont fait un décret, qu'il ne faut pas laisser des jeunes filles comme ça, surtout qu'en général, on se avec des filles qui vont être orphelines, qui n'ont pas de père, les gens, ils vont abuser d'elles. On préfère décréter tout un système de mariage midrabanan, qu'elle va vivre avec un homme qui va se soucier d'elle, qui va la vêtir, qui va l'entretenir, et comme ça, on va préserver les guidrets tzniout. D'accord? Maintenant, maintenant, ça c'est, donc ils ont décrété des kiddushin midrabanan. Et on a, autant qu'ils ont décrété les kiddushin midrabanan, ils ont donné la possibilité à la fille d'annuler ses kiddushin. C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'on en a marre, la fille, elle va devant le Bet Din, ou même pas devant le Bet Din, comme on a vu dans la mishnah précédente, elle dit, je refuse ses kiddushin, ma mère, mes frères m'ont marié avec un mari, il ne me plaît pas, j'en ai marre de sa tête, il a un gros nez, et d'accord ? Ce qu'elle veut, elle arrête ses kiddushin, ça s'appelle qu'elle a fait le mi'un. Elle a refusé. Ok? Maintenant, on va s'intéresser dans notre Mishnah à définir quelle fille a besoin de refuser. Parce qu'il y a des filles qui n'ont même pas besoin de refuser, ça s'appelle qu'elles ne sont même pas mariées. Il y en a en fait deux, et après une histoire avec Rabbi Eliezer, c'est encore autre chose. Ezoïk Tanash et Tzricha Lamen. Quelle est la petite fille qui a besoin de faire le mi'un? C'est-à-dire qu'une fois que sa mère ou ses frères l'ont mariée, eh bien qu'elle devra, si elle décide de quitter son mari, elle devra refuser les kiddushin en partant, entamer la procédure de mi'un, de refus. Kol she'esiua ima ve'achea ledata. Toute fille que l'on mariait, sa mère et ses frères ledata, en se concertant avec elle. Par contre, esiua shelo ledata, si on en mariait sans se concerter avec elle, on l'a mis devant le fait accompli, elle l'a dit aux irons tout leur repas, elle ne réfléchit pas beaucoup. Ma mère, elle m'a dit d'aller là-bas, elle va là-bas, elle se retrouve avec un mari qui est marié avec elle, mais on ne l'a pas concerté, elle n'a pas donné son consentement. Eh bien, elle n'a même pas besoin de faire le mi'un. Il n'y a aucune emprise de ce mariage, ça n'a aucune valeur. Même Midrabanan. D'accord? Ramim ont décrété qu'il faut qu'elle veuille. Ça, c'est le premier avis. Deuxième avis, ils ne sont pas en marloquette frontale, du tout. Chacun vient préciser d'autres choses, en fait. Rabbi Hanina ben Antignos en mer, Rabbi Hanina ben Antignos ajoute sur ça, il dit. Toute petite fille qui n'est pas capable de garder ses kiddushin, elle n'a pas besoin de refuser. C'est-à-dire que si elle était mariée, ça marche pas. C'est quoi une petite fille qui sait garder ses kiddushin? Tout simplement, on lui a donné une bague. On lui a donné quelque chose avec laquelle elle se marie. Si elle sait préserver cette chose-là, faire attention à la garder, à ne pas la perdre, ouais, elle a bien conscience que c'est quelque chose de valeur. Alors elle est capable de garder les kiddushin. Dans ce cas-là, elle a assez de dates pour faire le kinyan, ce kinyan midrabanan. Et dans ce cas-là, elle sera mariée. Mais si elle n'a même pas de date, ouais, je prends ma petite fille de même 4 ans, 5 ans, vous lui achetez une bague avec un diamant, après vous allez la troquer avec une bague qui est encore plus belle et qui coûte à 2 shekels dans la machine des petits œufs là-bas, et bien elle va vous la changer sans problème. Dans ce cas-là, elle n'a pas de date pour se marier. Du coup, le Bartenora nous rapporte qu'en fait, 3 étapes. Plus de 10 ans, on estime qu'elle sait garder ses kiddushin. Moins de 5 ans, elle ne sait pas garder. De 5 à 10, il faut vérifier.
Voir est-ce qu'elle est, il y en a qui sont plus rarifotes, il y en a qui sont moins rarifotes. D'accord? Rarif qui est aiguisé. Ça, c'est le deuxième avis, c'est Rabbi Chanan Gineos. Pour le moment, la halakha, elle est comme les deux avis, d'accord? Il faut son consentement, et il faut aussi qu'elle soit capable ensuite de garder les kiddushim qu'on lui donne. Autre sujet maintenant qui n'est pas retenu par la halakha, par contre, Rabbi Eliezer Omer, une phrase un peu bizarre, je l'ai traduit après on explique. En maase ktana klum ela kimfuta. Il considère qu'il n'y a dans l'action de la petite rien du tout, mais elle est considérée comme mefuta, comme une femme qu'on a séduit uniquement sans aucun rapport de mariage entre eux. Je continue à traduire, après j'explique. Bat Israël la Kohen, l'otochal bitruma. Si c'était une fille d'Israël qui s'est mariée avec un Kohen, avec ses kiddushin et rabanan, elle ne pourra pas manger la truma. Bat Kohen et Israël, tochal bitruma. Et si c'est le contraire, c'était une fille de Kohen qui s'est mariée avec un Israël, elle pourra continuer à manger la truma. En fait, je vous explique directement la solution. C'est que Rabbi Eliezer pense, il y a une grande marloquette en fait sur ça dans la Gemara, il y a deux avis. Est-ce que Chachamim, d'accord, ils ont, même d'après Rabbi Eliezer, Chachamim, ils ont décrété qu'on peut marier la petite fille. On va lui faire une certaine forme de mariage. Mais quelle allure ça prend ce mariage? Est-ce qu'on va faire toute une mise en scène comme si qu'ils sont mariés Minatora ou pas? Selon Chachamim, et là comme ça c'est la halakha, c'est une vraie femme mariée Minatora, ça signifie que le mari, si elle meurt, le mari va arrêter de Saktouba. Ça veut dire qu'il a le devoir de l'enterrer. Si c'est un Kohen, il va devenir impur pour aller l'enterrer, alors qu'un Kohen n'a pas le droit de s'impurifier si c'est pas sa femme. Et il y a encore toutes sortes de halakhot. Si c'est un Kohen qui mange la trauma, est-ce que sa femme peut manger la trauma? Si c'est un Rikinian, oui. Si c'est pas un Rikinian, non. Rami, on décrète, oui, elle pourra manger la trauma. Sur chaque chose, la Gemara, elle rallonge pour expliquer comment ça marche, parce que Rami, ils peuvent pas venir décréter quelque chose contre l'entoura. On a des solutions à tout, ne vous inquiétez pas, mais on va pas rallonger sur ça. Mais selon Chachamim, c'est devenu sa vraie femme. Tout ce que je suis, autant que moi je suis engagé avec ma femme, et j'ai des droits, et j'ai des engagements. C'est une femme à part entière, ça engage plein de choses, dans les deux sens. Et ben, selon mon Chachamim, quand on se marie avec une petite fille, même si elle n'est pas mariée par le père, Minatora, puisque le père n'est plus là, et ben, ça devient sa vraie femme, Midrabanan, dans le compagnon. Selon Abénézer, ben non. Tout ce mariage-là, c'est un peu du bluff. C'est bien pour juste vivre ensemble, mais sans aucun engagement concret. Au point où le mari n'héritera pas sa femme si elle meurt, si c'est un Kohen, il ne pourra pas devenir impur. Et c'est la Mishnah nous rapporte deux cas de figure. Si c'est une Bat Israël, normalement, un Kohen qui se marie avec une Bat Israël, comme on a appris en haut, eh ben, la femme peut manger la trauma. Si c'est un Israël qui se marie avec une Bat Kohen, la femme ne peut plus manger la trauma. Et bien là, figurez-vous, que comme ce mariage-là n'a pas tellement d'emprise, c'est comme une vie en concubinage, en fait. Donc, elle devra effectivement faire le mioun si elle veut sortir de ce mari. Mais c'est un mariage qui n'engage pas beaucoup. Ok? Et la halakha sur ça n'est pas retenue comme Rabbi Eliezer. C'est tout pour aujourd'hui, je suis une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov. Salam.